Bonjour, bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche des Rameaux, ce dimanche qui commence la Semaine Sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Éternel, ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse. Réponds-moi vite. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Prions. Dieu Tout-Puissant, en ce jour, ton Fils est entré dans Jérusalem, la ville sainte, et ceux qui le proclamaient roi étendaient leur manteau sur le chemin et jonchaient la route de rameaux. Accorde-nous de l'acclamer toujours comme notre roi et de le suivre sur le chemin qui mène à la vie éternelle, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche des Rameaux. Tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans Zacharie au chapitre 9, les versets 9 à 12. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance,
aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. » Ici prend fin l'Ancien Testament du jour. L'Épître du jour se trouve dans Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ici prend fin l'Évangile du jour. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le prophète Zacharie vivait entre 5 et 6 siècles avant Jésus-Christ, après la captivité à Babylone. Cyrus, le roi perse, avait permis au peuple d'Israël de rentrer en terre promise, rétablir la ville de Jérusalem et reconstruire le temple. Les Juifs de l'époque, qui recommençaient à zéro, ne pouvaient qu'imaginer comment avait été la vie quand la nation avait eu son propre roi. Eux, ils n'avaient pas de roi. Ils étaient des vassaux de l'Empire perse. La promesse du Messie et d'un royaume était trop belle pour être vraie. Mais à travers Zacharie, c'était exactement ce que l'Éternel promit à son peuple. Pour le peuple de Dieu, il y avait des nations voisines qui ne se réjouissaient pas de ce que les Israélites reviennent. Et les voisines envisageaient leur destruction. Au début de la prophétie, l'Éternel annonça sa condamnation de ces nations en parlant de la victoire d'Alexandre le Grand dans la région. Certains Israélites essayèrent, eux aussi, de repousser les Grecs et ont en tête la promesse d'un Messie libérateur qui allait inaugurer la paix. La révolte des Maccabées, qui commença en 167 avant Jésus-Christ, se poursuivit durant 7 longues années dans l'espoir de libérer le peuple. Et même après la mort de Judas Maccabée, quand les Séleucides reprirent Jérusalem, les vestiges de l'armée maccabéenne continuèrent à lutter. De même, pendant le règne de l'Empire romain, il y eut des zélotes et au moins une douzaine de prétendus messies qui envisageaient de chasser les Romains de la terre promise. Finalement, en 70 après Jésus-Christ, le temple fut démoli et la ville de Jérusalem fut rasée à cause des efforts des Juifs pour se débarrasser de leurs oppresseurs. La majorité d'entre vous ne connaissent pas la réalité de la guerre, d'être impuissant face à un ennemi, d'être l'esclave d'un étranger. Mais peut-être que certains d'entre vous ont vécu à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et d'autres ont assez bien étudié l'histoire pour imaginer facilement la situation. Qu'est-ce que les gens auraient donné pour être délivrés? Tout cela pour dire que le peuple d'Israël désirait ardemment voir le royaume du Fils de Dieu. Le Fils de David promis, et ce peuple voulait redevenir une nation indépendante. Écoutez ce que l'Éternel dit à travers le prophète Zacharie, presque 600 ans avant Jésus, avant que Jésus entre à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Réjouis-toi. C'était un commandement de la bouche de l'Éternel quand la nation désespérait. Dieu lui rappelait qu'il était leur espérance et la source de leur joie. Les Juifs n'allaient pas pouvoir contenir leur allégresse. Réjouis-toi, fille de Sion.
l'Éternel n'avait pas abandonné son peuple. Et il n'allait pas le faire. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Dieu dit à son peuple, réjouis-toi, appelle les autres, fais connaître mon œuvre, loue-moi pour ma fidélité. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, une bonne nouvelle pour tous. Pourquoi se réjouir? Pourquoi lancer des acclamations? Dieu allait tenir promesse et élever un descendant de la lignée de David, le roi qui allait siéger sur le trône de ses ancêtres pour toujours, le Messie, un homme plus grand même qu'avait été David ou Salomon. Et voici la description du roi messianique. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Par ceci, les Juifs auraient dû comprendre que le Messie n'allait pas rétablir la nation, ni vaincre leur ennemi sur le champ de bataille comme s'il avait été un chef d'armée. Un soldat serait entré à Jérusalem assis sur un cheval, un animal utilisé par un cavalier, par exemple. Mais Dieu avait annoncé que le Messie allait entrer dans la ville sainte assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Cette prophétie aurait dû rappeler aux Israélites le début du règne de Salomon. Quand David fut vieux, son fils Adonija se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes couraient devant lui. Il fit un grand sacrifice et invita ses frères et les hommes de Juda. Si David n'avait pas répondu à l'usurpation, les gens en auraient conclu qu'Adonija avait l'approbation de son père. Mais David avait ordonné que Salomon devienne roi. C'était Bathsheba, mère de Salomon, qui poussa David à agir. Pour dire qu'il avait la bénédiction de son père, Salomon entra à Jérusalem sur l'âne de David. Salomon n'entre pas dans la ville de David pour vaincre, mais il recevait le royaume de son père. Salomon n'entre pas comme un cavalier, comme l'avait fait Adonija. Salomon vint à Jérusalem au nom de l'Éternel, avec le prêtre Tzadok et le prophète Nathan, l'accompagnèrent et le consacrèrent par onction. Et le nom Salomon veut dire « homme de paix ». Et c'était lui qui n'était pas guerrier, qui fut choisi pour devenir roi en Israël et construire le temple de Dieu. Tenons donc compte de cette histoire. Jésus vint à son peuple, un roi plus grand que Salomon. Presque 600 ans après la prophétie de Zacharie, le prince de la paix descendit le mont des Oliviers et entra dans la ville sainte afin d'inaugurer son royaume. Jésus est venu avec justice, étant parfaitement juste et sans péché. Et son règne est marqué par la justice. Puisque ceux qui croient en lui sont déclarés justes sur la base de la foi,
eux aussi, vivent selon la justice. Jésus n'allait pas faire construire un temple, comme le fit Salomon, mais il était le temple de Dieu, l'endroit où Dieu demeurait parmi son peuple. Jésus n'avait pas besoin d'un autre roi pour valider son autorité, comme cela a été le cas pour Salomon, démontrant ainsi l'autorité de David en arrivant sur son âne. Jésus envoya ses disciples quérir l'âne et l'ânon en disant « Le Seigneur en a besoin ». Il ne fallait ni prophète ni prêtre pour oindre Jésus, car il est le Messie, élu par son Père de toute éternité. Jésus est juste et victorieux. Salomon n'a pas gagné son royaume, mais le reçu de son Père. Mais Jésus se rendit à Jérusalem afin de remporter la victoire. Quand Jésus y entra, sa victoire n'était pas encore évidente. Jésus fut acclamé par la foule qui criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Le mot « Hosanna » veut dire « Sauve donc !» Et c'était exactement ce que Jésus allait faire. Sa victoire ressemblait à une défaite. Ses ennemis, les religieux, qui voulaient le mettre à mort, cherchaient l'occasion de l'arrêter et le firent en pleine nuit quand ses sympathisants dormaient. Les religieux, les chefs des prêtres, ne voulaient pas que Jésus soit leur roi et ne comprirent pas de quel type de roi il s'agissait. Zacharie avait prophétisé, « Voici ton roi qui vient à toi. » Pilate, voulant libérer Jésus, dit à la foule qui voulait sa mort, « Voici votre roi. » L'assemblée devant Pilate, une assemblée organisée par les religieux, rejeta son roi. Les Juifs s'écrièrent, « À mort ! À mort ! Crucifie-le !» Et Pilate céda et fit publier la raison de sa mort. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est au moment de la Passion que la justice et l'amour de Dieu s'embrassent. Par sa justice et sa vie innocente, Jésus remporta la victoire sur le péché. Sur la croix, il vainquit le diable. Et par sa résurrection, Jésus triompha de la mort. C'est là que Jésus, le roi, fut victorieux. C'est de cette croix que vient la grâce de Dieu pour vous. Pour reprendre les événements de la venue de Salomon à Jérusalem, sur l'âne de David. Adonija quitta la fête où il voulait être couronné et fuit pour avoir la vie sauve. Il se rendit au corne de l'autel, l'endroit où les gens pouvaient se réfugier et demander asile. Adonija implora Salomon de ne pas le mettre à mort par l'épée. Et Salomon eut pitié de son frère. Il lui fit grâce et dit, « S'il se comporte en homme de valeur, pas un de ses cheveux ne tombera par terre. Mais si l'on trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » De même que les gens du monde ancien venaient vers le roi après une bataille pour recevoir une part du butin de guerre. Les chrétiens viennent à Jésus en disant « Kyrie eleison » « Seigneur, aie pitié ».
Et Jésus donne gratuitement les fruits de sa victoire à ceux qui les lui demandent. Jésus, le roi qui est venu humblement, cela non, juste et victorieux, est encore plus miséricordieux que Salomon. Ce n'est pas que les gens doivent le fuir. Il offre le pardon, la paix et la vie, qui n'aura pas de fin. Il dit aux pécheurs, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus vient à vous aujourd'hui. Vous qui mettez votre confiance en lui, vous recevez avec joie ce qu'il vous dit à travers sa parole. Vous chantez « Hosanna, béni soit le Seigneur débonnaire, qui vers vous, plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur, qui vient des plus hauts cieux, apporter aux humains un salut glorieux. Et votre roi vient à vous sur l'autel, sous les formes ordinaires et humbles du pain et du vin. Et encore, vous priez, Hosanna, Hosanna dans les cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. En venant à l'autel de Dieu, vous recevez votre roi et bénéficiez de sa grâce. À cause de son alliance, scellée par son sang, Jésus fait sortir les prisonniers de la fosse. Il vous libère et vous exauce. C'est lui qui vous a sauvé par sa mort sur la croix, vous donne son salut aujourd'hui, par la foi. Voilà ce que Dieu annonçait par le prophète Zacharie, la fin de la guerre, un roi vainqueur, la liberté, le pardon. La prophétie de l'Éternel révélée à travers le prophète Zacharie n'est pas seulement une parole pour le peuple de l'Ancien Testament, ni pour les personnes présentes quand Jésus entra à Jérusalem le premier dimanche des Rameaux. Cette parole est aussi pour vous. Réjouis-toi. Lance des acclamations. Voici ton roi, Jésus, qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Hosanna. Béni soit Jésus qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es entré à Jérusalem humblement, en accomplissant la prophétie de Zacharie, nous te louons et te glorifions, nous aussi, comme étant notre roi. La foule t'a accueilli et a jonché ta route avec leurs vêtements et des rameaux. Elle t'a acclamé en criant, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Nous aussi, nous te bénissons, toi qui viens aussi vers nous en toute humilité, pour être notre roi, un roi de la lignée de David, pour siéger éternellement sur le trône et établir le règne de Dieu. Nous prions que tu continues à établir et à élargir le royaume de Dieu dans nos cœurs. Donne-nous ton Esprit Saint pour que nous croyions en ta sainte parole et menions une vie pieuse, ici dans le temps et là-bas,
dans l'éternité. Établis ton règne par la prédication de l'Évangile. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Bénis les efforts missionnaires de notre synode, afin que chaque paroisse se voie comme un site missionnaire, et fais que nous mettions en œuvre le plan missionnaire que nous entreprenons au centre-ouest de la France. Étends aussi ton règne de grâce dans le monde entier. Conduis vers les paroisses de notre synode des gens qui veulent avoir une meilleure appréciation de la bonne nouvelle, et donne-nous le courage d'inviter ceux qui ne te connaissent pas à venir te louer. Puisque tu es le prince de la paix, toi qui es juste et victorieux, anéantis les efforts des chefs des nations qui veulent se faire un nom. En particulier, nous te prions pour les Ukrainiens qui sont menacés par les attaques russes. Nous intercédons aussi pour la situation en Israël et la bande de Gaza, en demandant qu'il y ait une solution au conflit et un changement de cœur parmi ceux qui sont motivés par la haine. Nous te prions de revenir en gloire, annoncer la paix aux nations et dominer d'une mer à l'autre, afin que les peuples mettent en pièces leurs épées pour en faire des sauts de charrues et les lances pour en faire des serpes, le jour promis où aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ô notre roi, espérance de ton peuple, aie pitié de nous et donne-nous le butin de ta victoire, toi qui as vaincu le péché, la mort et le diable. Protège-nous des menaces et des attaques du diable. Pardonne-nous nos péchés et fortifie-nous pour que nous renoncions au mal et vivions des vies saintes qui te plaisent. Donne-nous la vie nouvelle lors de notre pèlerinage et agis envers nous selon ta bonté. Sois avec Esther en attendant son placement au Kirchberg. Guéris les malades. Donne ta joie aux déprimés. Soulage ceux qui sont dans le deuil. Protège les vulnérables. Prends soin des handicapés. Aide ceux qui cherchent un emploi à en trouver un. Sois avec tous ceux pour qui nous te prions aujourd'hui dans nos cœurs qui ont besoin de ton aide. Toi qui es juste et victorieux, écoute notre prière quand nous prions « Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié, exauce-nous selon ta bienveillance. » Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout nom. Qu'à ton nom, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que tu es le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.